Salut, c'est Frédéric de Grandpré. Je suis en train d'animer un atelier philo-philo. On y retourne ensemble? Bien. Est-ce que la popularité, c'est une qualité qu'on doit chercher ou qu'on cherche des fois chez les amis? Est-ce que pour, mettons, je me dis, oh, moi, j'aimerais ça être ami avec lui parce qu'il est populaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que des fois, c'est bien ou des fois, c'est mauvais. C'est bien parce que t'es ami avec une personne populaire et tu peux aussi être populaire avec lui. Et puis aussi, c'est mauvais parce que la personne populaire, des fois, elle essaye de garder sa popularité et ne veut pas la partager. Mmh. Donc, toi, tu peux juste assister à côté d'elle. D'accord. Est-ce que c'est plus dur d'être ami avec quelqu'un qui est populaire à cause de ça, à ton avis? Oui? Les personnes populaires sont comme tellement used to d'avoir comme tout qu'il veut, comme c'est qu'il veut te demander, comme fais ça pour moi. Et est-ce que tu peux faire mes devoirs? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? OK. Mais est-ce qu'une personne populaire, à votre avis, parce qu'elle est populaire, elle a plus d'amis? Il y a des personnes qui veulent être ton ami juste parce que tu es populaire, juste pour la popularité. Pour essayer d'en avoir eux aussi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise raison, à ton avis? Une mauvaise raison. Donc, en conclusion, on n'utilise pas un ami pour une popularité, mais vraiment pour l'amitié. Je vais aller avec toi, s'il te plaît. Oui, tu peux être ami avec une personne populaire parce que des fois, comme juste des fois, il va faire quelque chose pour toi. Ben, même si on doit faire beaucoup de choses pour eux, on peut juste pas être ami avec eux si on veut pas. Mettons que toi, t'es populaire, là. Puis nous, on veut tous être tes amis. Là. Comment tu fais pour choisir la personne qui va être vraiment ton amie puis qui va pas être là juste parce que t'es populaire? Si elle est là pour ta popularité, probablement, elle va juste aller jouer avec tes amis qui sont populaires aussi. D'accord. Et comme passer du temps avec eux. Mais si elle veut vraiment être ton amie, à toi, elle sera avec toi et elle comme t'aidera et la dire et comme te donner des conseils. Okay, donc tu nous donnes deux bons trucs là, tu sais, elle va t'aider, elle va te donner des conseils. Ça peut être le signe que c'est une vraie amie. T'as-tu déjà été amie avec quelqu'un de très populaire? Non. Non? Pas encore. Est-ce que c'est un souhait? T'aimerais ça? Pas vraiment. Okay. On va aller voir cette notion là, ce rapport là entre la popularité, l'influence qu'on a sur les autres quand on est populaire. Et l'influence que les gens populaires ont sur nous. Ça vous tente? Oui.